Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur, mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri aujourd'hui? Ok, bah encore cette petite envie de communiquer, de dire des choses, d'envoyer un petit message, donc ça c'est plutôt pas mal. Il ou elle essaye aussi d'être à l'écoute de ses émotions, même si c'est encore un peu jeune, un peu léger, mais écoutez, ma foi, on va quand même pas se priver de cette jolie carte. Donc voilà, vous pourriez avoir un petit message, un petit coucou. Ah oui, et puis c'est clairement vous. En tout cas, si vous incarnez les énergies de cette reine de deniers, c'est-à-dire une énergie féminine, alors même si vous êtes un homme, hein, on est tous chargés d'énergie féminine et masculine. Donc là, une énergie féminine qui est dans ses projets, qui prend soin d'elle, qui va mettre des choses en place dans sa vie pour atteindre de la stabilité, vous voyez. Bon, eh bien, si c'est bien vous, cette personne, chérie, est en mode, ah, je lui enverrai bien un petit message. Donc, on aime bien. Évidemment, si chérie est en couple avec quelqu'un d'autre, vous relativisez les choses, hein, on est d'accord. Bon, pour autant, même s'il y a une volonté pour chérie de dire les choses, d'être dans la vérité, il est aussi dans une dynamique, ou elle est aussi dans une dynamique de... d'être dans la réflexion, de réfléchir à vraiment ce qu'il ou elle veut, parce que au fond, il ou elle aime bien être seul sur ses projets, en mode voire célibataire, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui est peut-être pas encore complètement prêt. On l'avait vu ici émotionnellement, c'est encore un peu jeune, complètement prêt à s'investir, à donner vraiment à l'autre. Hein. Là, il y a vraiment cette dynamique de bon, ben, être seul aujourd'hui, ça peut être cool, j'ai pas forcément envie de me rapprocher. Et puis, beaucoup de réflexion, j'espère que c'est la bonne décision que j'ai prise, j'espère que je vais pas le regretter, j'espère que je suis vraiment dans ma vérité, bon. Ah, c'est intéressant parce que chéri se dit, je vais être un petit peu seule, je vais réfléchir, je vais voir ce que je veux, etc. Même s'il y a un petit message mignon, hein, on a vu. Mais en même temps, chérie, se sent seul à travers ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il ou elle choisit d'être seul? Il se sent vraiment un petit peu rejeté presque, hein, ici. Alors aussi, vous, on l'a vu, vos énergies, elles sont pas folles. Donc, peut-être que vous allez être un peu en mode, non, mais c'est bon, moi, j'en ai marre. Il se bouge pas assez ou elle se bouge pas assez. Vous voyez un peu, hein, parce que bon, depuis le temps, on est d'accord que chérie, on l'aime bien, mais ça va 3 minutes. Et du coup, ben, peut-être que vous êtes un peu en mode, ouais, non, là, ça va, moi, ça va pas du tout, j'en ai ras-le-bol. Donc, vas-y, reste de ton côté. Et lui, il se dit, bah, ouais, mais non, mais attends, mais moi, je te fais un message, je comprends pas. Du coup, je me sens rejetée. Alors qu'en réalité, bon, ben, c'est lui hein, qui est dans une action de rejet depuis déjà un petit bout de temps. Bon, ok. Allez, on continue. Ben oui, chérie est dans une dynamique malgré tout positive. Alors, il se sent un petit peu seul parce que je pense qu'il se sent un peu rejeté par vous. Parce que vous, vous n'êtes pas les plus en forme, on l'a vu chez vous. Hein. N'hésitez pas à communiquer, à aller voir votre tirage, vous le savez, hein, pour avoir vraiment une vision générale de votre journée. Et puis ici, avec la carte du monde, on voit qu'il a envie de progresser, d'aller vers un accomplissement, de pouvoir être dans une réussite. Donc, ma foi... il faut l'encourager, hein, moi j'ai l'impression. Hein. Chéri quand même bouge, évolue. Alors, c'est jamais un truc transcendant, mais vous savez, un pas après l'autre. Hein. Faut pas s'attendre à ce que chéri, je pense, au vu de ce qu'on voit depuis déjà quelques temps, faut pas s'attendre à ce que chéri soit en mode « Ouais, vas-y, d'un seul coup, de rien, à tout, vas-y, marions-nous, etc. » Non, je pense que ça va être un chemin petit à petit. Et ce chemin, il est déjà en train de le prendre pour ceux qui sont concernés, évidemment, par ce tirage. Mais voilà, petit à petit. Et bien voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri, mais également de vos signes astro. Le signe astro du jour sera celui du Gémeaux. Et je vous rappelle que ceux pour le mois de décembre sont en train de sortir, même 2024 d'ailleurs. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.